Ce fut comme une apparition. J'ai vu une charge de cavalerie filant vers un ennemi imaginaire. Une fantasia. Les groupes de cavaliers portent toujours les noms des anciennes ethnies. Les Zmour, les Aer, les Rhamna. Cette démonstration de force, de panache et de courage, ces montures qu'on dirait prêtes à s'envoler ont fasciné les peintres orientalistes et le plus grand d'entre eux, le français Eugène Delacroix. La fantasia n'est pas la guerre, mais un jeu, qu'on appelle aussi le jeu de la poudre. Et ces spectacles sont encore aujourd'hui bien plus qu'un folklore. Une manière de domestiquer la violence, de dire aussi la fierté d'une appartenance. أنا العود البربري عريس الأطلس والجبال اللي عنده شلة ما يتقال راه لسان تقال مربوع القد عندي حقي في الزين والجمال أنا قوي وشجاع ومتربي ونفك الخوال تخطيت المطامر وهرست الحدودة ولد البلاد مأصل نصبر للصهد والبرودة بالفرحة والكرام شادين بيا الصينية وقال المثال عز الخيل مرابطها وخا يقطع رواها ترجع لمراقدها.